Aujourd'hui on va aller à la plage. Il faut traverser un terrain de golf. Au moins ils abusent pas sur l'arrosage, hein. C'est trop beau, la couleur. Donc moi je voulais vous parler de la végétation. C'est super sec Saint-Martin. C'est super sec, il y a énormément de cactus, de broussailles. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant Irma, on voit des photos d'avant Irma, il y avait beaucoup d'arbres, des palmiers sur la plage, côtiers. Et puis là, l'ouragan a fait que ça a apporté de l'eau salée, du sable. Ça a arraché les arbres aussi. C'était il y a seulement 6 ans, donc ça a du mal à repartir. Et il y a des zones plus sèches que d'autres, mais là, clairement, on voit que ça a été tout brûlé, quoi. C'est... Aujourd'hui, on va aller dans la réserve naturelle de Saint-Martin. Donc là, on est à l'Anse Marcel. Et la réserve, elle commence juste là-bas, à la pointe. Et ça regroupe toute la côte est de l'île, pratiquement, enfin en tout cas côté français. Voilà, c'est classé réserve naturelle. Il y a l'île de Tintamarre, il y a l'île Épinel. Voilà. Oui. On arrive à Tintamarre. C'est une île inhabitée. On va voir si on trouve une bouée ou si on peut se mettre à l'ancre. Trop bien. Voilà, prise de coffre. Petite bouée pour nous. 50 pieds max, c'est marqué. On est... 47, donc ça va. Ça va. On est à Tintamarre. Regarde, c'est beau, hein. Ouais. Ah, la couleur de la roche. Trop bien. Bon, on va mettre le grappin. Quand on n'a rien à pour s'accrocher, on met le grappin. Avec ça, ça bouge pas. Pas l'embêter, hein. On est dans une réserve. En fait, pour ton information, j'ai vu. Waouh, c'est beau. un moteur d'avion, hein, c'est sûr. Ouais. T'as vu la taille? Ça peut être fait, ça. Regarde, Marius, là, il y a un moteur. Il y a des bouts de carcasse d'avion. Entre 1944 et 1952, l'aérodrome, il servait, il était assez actif à Tintamarre. Et apparemment, il y a des morceaux qui sont restés. Moi, je dis un peu d'huile, un peu d'essence, et puis ça repart. Hein. On met sur Uno. Ah, un moteur... Comme ça, Uno, bah, il va aller à 15 nœuds. Je me demande s'il n'y a pas autre chose là-bas, j'ai vu là. Montre-nous. Regarde, là, il y a un énorme trou. On va aller voir. Alors, tout ça, pour savoir s'il y a un truc, on prend un caillou, on prend une cape de caillou et on fait à l'autre. Vous rentrez pas dedans, hein. Là-dedans, c'est pas du staff, c'est oui. Minimum 11 mètres d'eau, et à un moment on arrive, on avait 4 mètres et on est au moins à 500 mètres, 1 km de la plage, donc c'est juste pas possible. Bon, du coup on est de retour à l'Anse Marcel parce que vers l'île Épinel il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau, on a eu un peu peur, il y a des hauts fonds partout, des rochers, donc on est revenu voir nos petites tortues de l'Anse Marcel. Ah, il y en a deux. Oh, un taxi new-yorkais. Ouais. C'est magnifique ici. Le problème, ça va être le week-end. Déjà là, il y a un peu de musique, on est vendredi. Et le week-end, comme il y a un loueur de jet ski. Regardez la tortue là qui apparaît. Hop. Trop belle. Comme il y a un loueur de jet ski et de jeux nautiques, des bouées tractées, tout ça, bah, ça attire pas mal de monde. La plage, elle est super belle. Donc cet après-midi, on va aller à Grand-Case, retourne à Grand-Case, la baie d'à côté, pour passer le week-end là-bas. Il y a des avions, mais c'est un peu plus peinard au niveau des bateaux. Ça va Hugo? Ouais. Tu mets tes tongs quand même, parce que si ça te brûle les pieds au bout d'un moment, tu vas souffrir. Maintenant, ça veut dire que je peux faire ça. Nous voici à Baie orientale. Magnifique plage à l'est. On aperçoit l'île Tintamarre. Et sont où ces lunettes? Et l'île Épinel. Ah bah c'était à prévoir. Des bandes sargasses qui se sont échouées là. On traverse direct. Bon, il n'y a pas d'ombre. Hein. À Saint-Martin, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de cocotiers, il n'y a pas d'amanceliniers. Il y a du soleil. Hein. Voilà, ouais. Et il tape. Ouais. C'est joli ce petit îlot là. Il y a des gens dessus. Voilà, nous sommes le dimanche 7 mai. On va quitter la partie française de Saint-Martin. Et c'est avec un petit pincement au cœur quand même parce que c'est notre point de retour. À partir de maintenant, on va redescendre par le sud pour rejoindre la Martinique avant la saison cyclonique. Donc on a vraiment adoré Saint-Martin, gros coup de cœur. Et peut-être qu'on reviendra. En fait, maman, elle m'a acheté des bracelets que quand on fait une navigation, j'ai même plus du tout le mal de mer.